Inscrit dans le programme annuel de la Société d'eau et d'énergie du Gabon depuis bien des années déjà, la cérémonie de la remise de la bourse d'excellence Roland-Serge Ndon, attribuée à 5 enfants d'agents ayant obtenu les meilleures moyennes au premier tour du baccalauréat, s'est déroulée ce vendredi 9 août 2024 au siège de la SEEG à Libreville, sous la houlette du directeur général de ladite société. En effet, la création de la bourse d'excellence Roland-Serge Ndon fait partie des nombreuses actions inscrites dans la politique sociale de notre entreprise. Et en tant qu'entreprise citoyenne, la SEEG prend pleinement sa part dans le rayonnement du système éducatif gabonais et la promotion de la culture de l'excellence. Sur un petit nuage, l'un des 5 récipiendaires s'est dit privilégié d'avoir reçu cette bourse d'un montant de 3 millions de francs CFA. Pour les sortes d'avoir reçu cette bourse parce qu'elle me permettra déjà pour un temps à subventionner mes études. Déjà, merci d'avoir pensé à ce concours parce que ce n'est pas toutes les sociétés qui le font forcément. Du coup, merci à la SEEG, au directeur général et à tous ceux qui ont organisé ça. Avec beaucoup d'émotion, certains parents n'ont pas manqué de s'exprimer. Toujours une fierté pour un parent qui accompagne les enfants tous les jours, de voir son enfant réussir à cet examen qui est le baccalauréat et de surcroît être primé de la bourse d'excellence SEEG, c'est une double fierté pour le parent que je suis. Comme chaque année depuis sa création en 2016, c'est un montant total de 15 millions de francs CFA qui a été déboursé pour cette 7e session. Une somme considérable qui témoigne de l'engagement de la SEEG à promouvoir la culture de l'excellence.